Nettoyer les pores, éliminer les taches sombres, réparer la peau endommagée, la pigmentation avec seulement le dentifrice, du blanc d'œuf et de la farine de blé. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. Appliquez du dentifrice avec ces ingrédients sur votre peau. Voyez le résultat 15 minutes seulement après. Même si vous êtes sceptique, je vous invite à essayer ceci ne serait-ce qu'une fois et après ça, vous pourrez tirer vos conclusions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons un remède incroyable pour vous débarrasser des pores ouverts de votre peau, pour rendre votre peau plus belle, plus éclatante, impeccable et lutter contre les points noirs, les dépôts de sébum. Il agit également pour nettoyer votre peau en profondeur, aide à éliminer les boutons, l'acné, les taches foncées. Mais avant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la et taguez un maximum de personnes pour leur faire connaître cette merveilleuse chaîne, les aider par la même occasion à prendre soin de leur corps. Sachez que nous sommes les meilleurs en astuces, remèdes naturels. Nous mettons à votre disposition chaque jour le meilleur des remèdes avec les plantes naturelles. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site de vente de produits naturels en ligne, rosemunifashion.com, et même sur notre site fashion de vêtements, rosemuni.fr. Si vous avez des rides sur votre visage, cette recette les éliminera et vous donnera une peau plus jeune et surtout plus saine. 10 à 15 minutes avec ce remède, ça vous donnera instantanément un look brillant et éclatant. Les hommes et les femmes peuvent l'utiliser pour les soins de leur peau. Et vous devez appliquer une crème hydratante, même une lotion après avoir lavé votre peau. Si vous avez la peau sensible, vous devez d'abord l'appliquer sur vos mains. Si vous pensez que cela fonctionnera sur votre peau, alors vous pourrez l'appliquer par la suite sur votre visage. Ce remède est 100% naturel et n'a pas d'effet secondaire. Donc pensez bien à cliquer sur la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce que nous publions. Pour préparer ce remède, commencez par apporter à ébullition le blanc d'un œuf. Les œufs sont parfaits pour les traitements et le nettoyage de la peau en profondeur. Les protéines que contiennent les blancs des œufs sont bonnes pour raffermir votre peau. Si vous avez des grandes pores ou une peau sujette à l'acné, les blancs d'œufs aident à fermer les pores et à éliminer les rides de votre peau. Si votre peau est grasse, le blanc d'œuf permet de clarifier les pores, les follicules pileux, surtout s'ils produisent trop de sébum. Ensuite, nettoyez et écrasez une tomate pour extraire le jus. Les tomates sont riches en lycopène, un puissant antioxydant qui offre de nombreux bienfaits pour la peau. Le jus de la tomate augmente l'équité, l'équilibre du pH, resserre les pores et traite les coups de soleil, réduit les irritations et permet de guérir l'acné. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de dentifrice blanc. Du nettoyage domestique aux utilisations de beauté, le dentifrice est souvent cité comme un traitement maison pour votre peau, peut aider à lutter contre l'acné. Le dentifrice a un effet desséchant sur les boutons, ce qui peut aider à réduire les rougeurs et même les inflammations, raccourcissant ainsi le cycle de vie de l'acné et de ce fait le cycle de vie de la tache aussi. Maintenant, ajoutez une cuillère à soupe de farine de blé. La farine de blé est connue pour éclaircir le teint de votre peau, lui donne un aspect naturel et éclatant et également permet de générer une peau impeccable. En fait, il est également utilisé pour le traitement de la pigmentation inégale des taches brunes sur le visage. Maintenant, mélangez très bien tous les ingrédients jusqu'à homogénéité et ce remède est prêt. Appliquez-le doucement sur votre peau, massez-le sur votre peau en fine couche, laissez pendant 10 à 25 minutes. Après 15 minutes, rincez ceci à l'eau normale, après avoir lavé la peau bien entendu. Appliquez une lotion ou même une crème hydratante sur votre peau. Vous ne devez pas l'appliquer tout près des yeux, cela peut irriter la peau qui est sensible à ces endroits. Vous pouvez également l'utiliser sur votre main, sur le cou, sous les aisselles. Faites-le deux fois par semaine pour de meilleurs résultats. Voilà mes très chers, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à préciser votre nom, la ville ou même le pays depuis lequel vous nous suivez. Bisous bisous!